Voodoo Lounge. Mick Jagger a déclaré récemment qu'il en avait marre de l'image de businessman qu'on lui colle, bah, qui lui colle basse, quoi. Alors que Keith Richards, lui, a toujours l'image d'artiste bohème qui s'en fout de l'argent, quoi. Jagger a dit que son grand frisson, son grand bonheur dans la vie à lui, bah, c'est de concevoir un nouveau show, de s'occuper de la scène, des éclairages, etc. Mais à un moment donné, eh bien, il y a un comptable qui arrive et qui lui dit « Monsieur Jagger, vos idées vont coûter 30 millions de dollars. » Alors là, il faut bien qu'il décide gros sous, parce que sinon les autres Stones ne vont pas toucher un centime et Keith est toujours là, enfin le premier, bah, À se plaindre si ça arrive, oui. Alors les voilà toujours, en tout cas, les Stones aussi sauvages dans I Go Wild, justement. Demain soir, par exemple, il vaut mieux être devant la télé pour voir Johnny Hallyday à Que Oui dans sa série policière David Lansky, qui est diffusée à 20h45 sur la chaîne. Et juste après, beaucoup plus récent, c'est la rediffusion de Flashback. Vous avez adoré cette émission présentée par Laurent Boyer le 6 juillet. Alors M6 vous la repropose. Alors Laurent Boyer, Muriel Robin, Jean-Marie Bigard, Indra, Élisée Toun, Yves Lecoq. Et voilà, il est au courant. Tous les tops des années disco, je vais ressortir mes pattes d'aide. Et moi, mon costume, John Travolta. Délire. En attendant, demain soir, on a Offspring qui réentre dans le Hit Machine thématique avec l'album Smash. Pas dans ma gueule. Gotta get away. À 9e place. Gotta get away. Gotta get away, ok. Gotta get away. Je l'avais dit. On va se hit.